Je crois que le casque a rendu l'âme. Hop. Je ne vais pas vous prendre la carie que j'ai au fond à gauche quand même, Julien. Tu non, es très très près de moi. Ben là, Julien, il est carrément allé à 30 cm de moi. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vais pas recommencer avec mes pommes. Je dis qu'il a plu énormément et que toutes mes pommes sont tombées. Et du coup, j'ai dû cuisiner au moins 5 gâteaux aujourd'hui. Et donc, c'est pas de ma faute si je grossis. Hein. C'est la pomme, c'est les pommes, c'est la pluie, c'est tout ça. Bon, enfin, allez, revenons à nos moutons. Donc, Estelle Moreau, lookeuse de meubles, murs, objets, escaliers, cuisine, etc. Je donne également des cours de patine à l'atelier, patine et compagnie. On fait tout ce que vous voulez, de la couleur que vous voulez. Je vous apprends tout sur le relooking de meubles. Voilà. Mais puis le meuble est autre chose, hein, y a pas de souci, puisque ce sont vraiment des peintures Éléonore Déco qui sont fabriquées sur vanne et qui sont respectueuses de l'environnement et qui vous permet vraiment de relooker. On a une sous-couche d'accroche qui est vraiment extraordinaire. Julien, plus ça va, plus tu te rapproches. Parce que là, j'ai deux discours différents. Il y a des gens qui ont du son, il y en a qui n'en ont pas. Qui n'ont pas de son, d'accord. Parce que là, Julien, il est vraiment à presque 20 cm, voire 15 cm de mon nez. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. Et si tu le mets l'autre format. Non, c'est toujours comme ça. D'accord. Parce qu'en fait, je sais pourquoi je parlais très large. Moi qui suis très grande et très mince, je suis en format paysage, en fait. Donc, je fais toute petite et très large. Ce qui est faux. Ceux qui m'ont déjà vu en vrai, vous le savez. Non, allez, je plaisante. Donc, on va commencer à peindre. Je ne sais pas comment ça va se passer, du coup. Alors, le son, c'est bon, on y va. J'y vais pour mes explications. Vous m'entendez? On est à fond. C'est parti. Juju. J'attends une réponse. Tout le monde est parti. Une réponse pour le son. Pour le son. Et après, on attaque. Je vous dis, je ne me suis pas encore mis au signe, à la langue oui, du signe. Apparemment, c'est bon, c'est apparemment c'est bon. Oui, oui. Allez, on y va. Donc, c'est deux petites tables scandinaves. Mais moi, je serais toi, je me mettrais comme ça. Bon, enfin bon, peu importe. Deux petites tables scandinaves, ça y est, sous couche et mise. Donc, qu'est-ce que je fais? Je gratte. C'est fou parce qu'on sent vraiment cette humidité. En fait, parce que c'est vraiment très humide. Mais en tous les cas, voilà. Vous dites le matin, allez, je fais mes griffes de chat, je sais que c'est bon et je peux y aller. Bon, par contre, ce que je vais faire, ah oui, c'est moi ou la table. On ne va pas faire les deux, du coup. Même si tu te recules un peu. Non, sinon après, là, comme le son sort là, on ne va pas du tout t'entendre. Oui, mais si tu mets en format... Non, vu que j'ai commencé comme ça, je suis obligée de tenir comme ça. Ah bon? Sinon, tu vas être sur le côté. Sinon, on va être sur le côté, voilà. Ça va être moins drôle. Bon, allez, entre chaque couche, on va égrainer. Donc, c'est du 140. Hein. Pourquoi? Parce que il y a toujours des petits picots, des petites choses comme ça qui viennent un petit peu se mettre sur notre travail. Mais voilà, on dépoussière. Donc, je n'ai pas encore fait le dessous, mais ça va venir. Et puis, comme vous voyez, j'ai commencé à mettre un scotch. J'ai fait les pieds aussi. Alors, bon. Donc, pour cette... Pour cette petite table-là, je choisis finalement pétale. Alors, le pétale. Parce que ces deux petites tables, soit vous les mettez, elles pourraient très bien aller autour de celle que l'on va faire, la grande, pour une table une table basse, hein, de salon. Mais ça peut être aussi deux petites tables de chevet qu'on met à côté. Allez, j'ai opté pour la pétale, rose très très doux. Hein. C'est vraiment un rose super joli. Très doux, que je vais marier avec, parce que je pense qu'on va faire la Sanoa, vous savez le pochoir, hein, qui est très joli, très graphique, avec du craie et du coup avec du poivre aussi. Je ne sais pas comment je vais faire, mais voilà, j'ai envie de faire un petit truc, j'ai envie d'essayer quelque chose. C'est peut-être deux pochoirs en un, on va voir. En tous les cas, pour l'instant, on va parler couleur. Alors, le pétale, bon, c'est vraiment un rose qui est vraiment très doux. C'est vrai que ça fait assez cocooning, assez girly en fait. Enfin, chambre de petite fille plutôt que vraiment girly. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va peindre. Bon, je ne sais pas comment se passent vos vacances.
en maillot de bain ou avec le pinceau, voilà, ou au boulot. Hein. Et alors, j'ai pas mes pinceaux. Je vais préparer un petit pinceau. Voilà. Donc je renverse directement parce que là j'ai pas pris de camion. Hop, j'en mets suffisamment. Si j'en ai trop, j'ai deux tables. Hop, ça va venir. Et puis je viens enduire mon rouleau. Voilà. Donc j'ai des petites choses comme ça. Si je les vois, bon, mais je les enlève. Vous avez vu, c'est des petits picots, c'est des petites poussières, des petites poussières tout simplement. C'est ce qu'il peut y avoir autour quand on n'a pas bien nettoyé son pot en fait. Voilà, hop, allez. Bon, d'habitude je fais pas ça, hein. J'ai mon petit camion avec de la peinture dedans, avec mon alu. Mais là, hop, ce soir, non. Ce soir, on va vite. Parce que ce soir, comme d'habitude, je suis un petit peu à la bourre. Parce que ça y est, les persiennes, vous voyez, je suis un peu dans le bleu, un peu dans le gris. C'est la course au temps. Toujours, hein, la course au temps. Et ce qui est bien, ces petites tables, alors vous avez vu, c'est en plastique, hein. C'est vraiment les pièces en bois, mais là, on est vraiment sur un espèce de plastique. Voilà, je ne vais pas avoir de nervure de bois, je ne vais pas avoir de veinage, j'ai vraiment quelque chose finalement que j'ai créé avec mon rouleau en fait. Voilà. Vous voyez, ça me prend vraiment 3 minutes et demie. Hop. J'attendrai que ça sèche. Je vais le retourner et puis je ferai mes pieds ensuite. Voilà, tout simplement. Donc voilà déjà la couleur rose de ce que ça peut donner. On va ensuite je ferai mes pieds d'une couleur. Peut-être finalement craie. Bon, je vais voir. Mais on va vraiment faire un petit côté girly, très pastel. Voilà pour celui-ci. Hop, allez, on va attaquer la grande. Bon, il va vraiment, vraiment falloir qu'on mette au point cet atelier. Julien, si tu bouges comme ça, les gens ils vont avoir mal de mer. Je pensais que tu allais faire la table, c'est pour ça. Si, je vais la faire, mais je me débarrasse. Là, les gens, ils vont avoir le mal de mer si tu les transportes comme ça. Où est-ce que je vais mettre ça? Alors, pareil, même punition. Ce qu'on va faire... On débarrasse de la première poussière. Et puis, bon, je vais être obligée de me mettre à genoux également. Hop. C'est super, hein, vivement atelier, je vous le dis. Donc, avec mon petit grain, pareil, 240. Ça, c'est toujours au toucher, en fait. Hein. Vous touchez. Ça, c'est le ressenti. Voilà. Ça peut être tellement de petites choses, ça peut être un picot de pinceau, un petit picot de poussière, un petit picot de peinture. Donc ça c'est vraiment au toucher qu'on le sent, et parce que des fois on peint et le lendemain on se dit ah oui finalement, voilà, là j'ai un petit cheveu qui est venu, un petit cheveu de Juju tiens, qui est venu. Parle un peu plus fort comme je suis un peu plus long. Je vais essayer de parler fort. On n'est pas aidé, hein, je vous le dis. Hein. Bon, alors là, ça va être la couleur corde. Qu'est-ce que j'envisage pour ce meuble? Un peu compliqué. J'ai envie, d'abord, on va y mettre du corde partout. Et ensuite, au milieu, j'ai envie de casser un peu cette forme, un peu triangulaire d'ailleurs. Et j'ai envie de mettre au milieu carreau de ciment. Et puis ensuite faire des bayadères noires et un rouge. Bon, pour l'instant, c'est mon idée. Ça va être un peu particulier, mais voilà ce dont j'ai envie. Allez, j'espère qu'avec le petit pot, j'ai assez de peinture.
Donc le corde, et vous voyez le corde en fait, c'est cette peinture qui est au fond. C'est très chaud comme très très chaud comme couleur. C'est au-dessus du lin, c'est un peu plus marronné que le lin, mais c'est vraiment super joli. Là, je travaille vraiment comme comme faut pas faire en fait. Voilà. Parce que j'en mets un peu partout dans mes peaux, ce n'est pas bien du tout. Et Juju, tu peux peut-être te rapprocher et montrer la couleur déjà. Ça fait deux soirs que les vidéos sont pas au top. Il faut vraiment que je réinvestisse dans un casque pour que vous m'entendiez. Voilà, regardez, vous voyez le contraste. Et c'est vraiment, vous voyez cette couleur-là en fait. C'est vraiment la couleur du semainier qui, après le semainier, a été patiné. Là, on fera la même chose. On va même patiner le rose. Bon, alors ça va être ma première couche. Hein. Donc, j'essaye effectivement d'en mettre un petit peu partout. Toujours, alors là, je ne peux pas dire que je vais peindre dans le sens du veinage du bois, puisque je n'ai pas de veinage de bois. Hop, voilà. Après, évidemment, je vais bien nettoyer mes peaux, les contours, pour pouvoir les fermer ensuite. Ah, ça fait professionnel, hein. Je suis à genoux en train de peindre dans un coin reclus de mon salon. Voilà, sans son, une mauvaise image. Je suis navrée. Mais le résultat, tant pis, il va quand même être beau. Voilà, et là, je suis tout en délicatesse. Et je viens vraiment finaliser la pose, en fait. Bon, ça va, il fait pas très très chaud, donc ça va pas forcément sécher. Voilà. Un petit coup sur le rebord. Ce qu'il faut faire attention absolument, c'est quand on peint des choses comme ça, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait des coulures hein, sur les côtés. Même si ce n'est pas la couleur que je vais mettre en dessous, si jamais j'ai décidé de faire autre chose, je viens quand même écraser les petits bourrelets, les petites coulures qui pourraient tomber sur le côté. Voilà, je vais essayer de me relever. Hop. Ah, c'est de la gymnastique, hein? On dit que finalement, on nous entend quand même bien. Bon, ça va. Alors? Et on demande qui a osé vous punir, Christelle. Je vous dis, c'est pas facile toujours, hein. Bon, donc voilà. Là, c'est terminé pour ce petit travail. Et puis, on a donc ces deux couleurs. Hop. Voilà. Qui pourraient très bien se marier, finalement, dans un petit salon. Qui pourrait très bien aller, on pourrait même en faire, si on le laissait comme ça, j'aurais pu faire un rose, un corde et puis une craie. Mais bon, j'ai décidé de les faire en deux petites tables de nuit et puis ça vraiment une table de salon. Bon, pour l'instant, on les pensait carotte-ciment, noir, rouge, en bayadère. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie. Ce qui se fait beaucoup pour ce genre de table, c'est, vous savez, vous mettez des scotch hein, un petit peu partout, en triangulaire ou pas, enfin en diagonale. Peu importe, et du coup, vous mettez un triangle d'une couleur, un carré d'une autre. Ça, c'est très joli, en fait. Ça fait un petit panachage de couleurs assez sympathique. Mais voilà, j'ai envie de casser les codes, parce qu'on fait ce qu'on veut, il y a la mode, et puis il y a nos envies, donc voilà. Julien, tu recules un tout petit peu, parce que non. Du coup, il faut que je... Si ah. Parce que je vais montrer ce que j'avais envie de faire cette semaine. Alors... J'arrive. Voilà. Ah là là. Je peux vous dire que j'en attrape des sueurs. Il a filé les pieds. Bon, bah c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de faire? J'avais envie, c'est ce que je vous ai dit, là j'ai un petit plan de travail, je vais essayer de ne rien casser du tout. Alors, donc, on a ce petit chemisier. Ce petit chemisier que j'ai retrouvé, voilà, que j'aime beaucoup. Et
Et puis, quand je l'ai retrouvé, j'ai vu que là, j'avais dû peindre avec, comme à peu près tous mes vêtements. Donc, je vais lui faire une petite étoile, étant donné que j'ai mes petits boutons qui sont un peu nacrés, blancs. Donc, je vais lui faire une belle étoile. Voilà, donc c'est tout. J'avais juste envie de vous montrer ceci. Alors, j'ai pris un petit bout de bâton à l'huile. Voilà. Donc, les petits bâtons à l'huile. Un bâton à l'huile, quoi, en fait, c'est de l'huile. Et quand ça sèche, c'est vraiment les petits bâtons avec pas l'huile, avec lesquels, vous savez, on fait de la peinture, on fait des tableaux. Mais aussi, quand on a un meuble, on peut le mettre dans l'arête et avec le doigt, on étale, ce qui fait en fait une arête un peu abîmée. C'est comme si on avait poncé et qu'on avait été chercher la couleur du dessous. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je casse la pellicule parce que vous savez que l'huile sèche, mais sèche au bout de 3 jours. C'est pour ça que les peintres, quand ils prenaient l'huile, ils avaient vraiment ce temps de séchage et c'est vrai que ça fait des choses très délicates. Hop là. Donc, une fois que j'ai cassé la première pellicule d'huile, hop, c'est bientôt fini. Je me prends un bout de bras là. Eh bien, ça y est, mon huile, ma couleur. Donc là, j'ai pris de la couleur blanche, hein, toute simple. Je viens prendre mon tissu et à l'intérieur, je viens mettre un papier, une feuille de papier à poncer. Comme ça, mon tissu, il ne va pas bouger. Voilà. On va faire comme si je l'avais repassé avant. Donc, ce que j'espère, parce que je crois que en fait, je fais une bêtise, puisque ça va être blanc, le problème, c'est que... Le problème, c'est que du coup, on va pas, ça ne va pas recouvrir ma tâche. Donc, je ne vais pas pouvoir prendre du bâton à l'huile. Je fais attention parce que la dernière fois, j'ai fait une étoile. Je l'ai faite à l'envers. N'est-ce pas? Je suis sûre qu'il y en a qui vont se rappeler. Un petit souvenir comme ça. Bon, allez, du coup, je vais le faire à la satinelle blanche. Crêpe. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, c'est parti. Comment on fait? Ben, comme avec le bâton, je prends mon petit pochoir et puis je vais venir, comme j'ai mis mon papier en dessous, je vais venir faire des petits ronds déjà dans un premier temps pour délimiter le contour. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir mettre un peu de matière. Bon, pas trop non plus, mais pour qu'on enlève un petit peu ce côté marron. Alors, c'est vrai qu'avec le bâton à l'huile, comme il n'y a pas trop de matière, c'est plus facile sur un tissu en fait. Ça a moins, la satinelle a moins la possibilité, vous savez, de suivre les fibres. Voilà, bon, je vais voir ce que ça donne déjà. Et puis, ce que l'on va faire. C'est que j'attendrai que ça sèche et puis je verrai si faut que j'en remette une deuxième couche. Mais tadam, hop, lundi je mets mon beau chemisier à moins qu'il fasse moins 12. Bon, c'est peut-être pas dans le style et tout, mais moi j'aime les étoiles donc voilà. Et au moins ma petite tache marron. Alors je peux mettre I'm a star. Bon, je vais voir. Voilà, je peux écrire dessus, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce qui va se passer? Bien évidemment, je l'avais déjà lavé. Et ce, quand vous faites quelque chose comme ça sur un tissu, vous ne le lavez pas avec de l'adoucissant. Je n'en mets jamais, donc ça, ce n'est pas un problème. Donc, il faut vraiment faire un lavage brut lessive. Ensuite, vous mettez votre pochoir. Vous attendez que ça sèche bien. Vous le fixez avec un fer à repasser à l'envers, bien évidemment. Et ensuite, vous le laissez tomber une semaine, vous le laissez tranquille, bien séché, bien imprégné, et vous le lavez. Voilà. Et après, vous êtes tranquille. Ce que je peux vous dire sur les vêtements, ça tient bien. Hein, voilà, c'est ce que je fais un petit peu avec mes pantalons, mes jeans. Je leur mets toujours des petits dessins, des petits trucs. Ben voilà, bon, c'était périlleux quand même. Hein. Je vais laisser sécher. Et puis, je la mets lundi. Je vais laisser sécher. Je vais vous mettre ce que je vais envisager comme pochoir sur les petites tables. Je pense que ça va être très très sympa.
Et vraiment, quand vous voyez les petites choses, vous avez des petites choses à pas cher. Alors, à pas cher ou à cher, faire plaisir avec ce que vous avez envie et ce que vous, déjà, vous avez chez vous. Eh bien, n'hésitez pas, un petit lavage, une sous-couche, une couleur. Finalement, le plus dur dans tout ça, c'est de choisir la couleur, parce qu'il y en a tellement que c'est un peu compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas, j'aimerais clôturer une commande demain midi. Donc j'attends vos commandes avec plaisir. Et je vous souhaite un très très bon week-end. Attention sur la route, c'est les chassés croisés. Et puis portez-vous bien, faites attention à vous. Allez, bon week-end à lundi. Au revoir.